son bec exotique et gazouille au vent. Le pont est gracieusement formidable. Finalement, la nature se ressemble de façon délicate. Alors, c'est le poème qu'on a composé avec les mots qu'on a eus. Là, on a fait une traduction des vers en arabe, en serbe et en chahi, en sfondora. Alors, sfondora a eu un mot passado. Maman, ce n'est pas des Swahili, c'est du Swahili pour toi. Daos, vous vous comprenez. Ayedjoua Redada. Pour finir le poème, ça fait Ayedjoua Redada. C'est en fait une traduction du premier poème qu'on a fait avec Kada Meski. Voilà. En fait, l'originalité du poème, c'est que sans s'influencer les uns et les autres, hein, chacun pouvait prendre n'importe quel mot, direct, comme ça. Généralement, on s'assignait de prendre une classe grammaticale, par exemple, on prend le verbe, je prends le nom, je prends l'adverbe, un adjectif. Avec tout ça, on forme une phrase, donc un verbe, donc de ce poème, et ça donne ça, avec la traduction, parce qu'il y avait quatre nationalités autour de la table, et ça donne ça. Voilà.